Non, il ne s'agit pas du réupload de la vidéo de la semaine passée, mais bel et bien d'une nouvelle vidéo. Encore un déballage, encore un concours que j'ai gagné, cette fois sur la chaîne de Candibule. Vous aurez toutes les informations en description. C'est une chaîne qui concourt, qui se spécialise dans les concours. Des concours un peu de style, moi ça me rappelle les tombolas, les bourriches à gagner, c'est-à-dire qu'on a des lots, on a deux lots pour chaque session. Chaque mois, deux lots. Et le tirage au sort s'effectue via la série de cartes Pokémon. Enfin, écoutez, je vous laisse découvrir le concept. Ce sont deux personnes très sympathiques qui proposent très régulièrement donc ce style de concours. Et le fait est que j'ai gagné. J'ai remporté le lot 1 du mois de février. Je connais le contenu parce que une des particularités, une des spécificités de cette chaîne, c'est qu'elle montre les lots, ce qu'il y a à gagner avant, donc ce ne sont pas des surprises, on sait ce qu'on veut, ce qu'on peut gagner, et ensuite c'est le hasard qui décide, bien entendu. Alors il y a les étoiles, ils ont vraiment un concept qui fonctionne, qui cartonne, il y a de plus en plus d'abonnés. Vous pouvez toujours vous inscrire, non seulement vous abonner sur leur chaîne, mais également participer à leur concours. Toutes les modalités se trouvent là-bas. Je vous laisse, voilà, la curiosité. Et moi, je suis très curieux d'ouvrir ce colis, même si je connais son contenu. On va regarder ça tous ensemble. Vous allez voir, il n'y a pas que du jeu vidéo. Il y a beaucoup d'autres goodies, objets. C'est très, très varié et très sympa. Non, il y a un jeu vidéo et un Blu-ray. Alors, des films de style policier, oui, présumé coupable. Pour la justice, il n'y avait pas d'innocent à voir. Un film de Vincent Garenc. Ah, avec Philippe Torreton. La journée de la jupe. Meilleure actrice, c'est avec qui? Ah, c'est Isabella Gianni. On a Trauma. Revenu de l'enfer, elle va y retourner. Jennifer Morrison. On est plutôt dans le thriller ou dans l'épouvante. Ok. Et le jeu, voilà, le jeu PlayStation VR, c'est Riggs. Bon, je n'ai pas le casque, mais si un jour je l'acquiers, ben je pourrais jouer à ce Riggs. J'en ai entendu parler, j'ai dû voir des vidéos. Hein. Je pense qu'on doit diriger un méca, quelque chose comme ça. Ce sont des jeux assez courts généralement, mais l'expérience, elle vaut le détour, bien sûr. C'est une création. Mademoiselle Candibule. Voyons ça. Voilà, eh ben c'est mignon tout plein. Ça c'est, hein, pour une chambre d'enfant, ou... c'est mignon. Je sais pas quel personnage il s'agit. Bon, ben c'est cool, c'est une attention très sympa, très colorée. C'est mignon. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Tout est bien empaqueté, emballé. Hein. C'est du no fake. Hein. Voilà, pour ceux qui douteraient de la réalité de ces envois, non, non, c'est. On est livré en Colissimo. C'est assez hallucinant quand même, c'est cadeau tout ça. Alors là, je crois que c'est. Ah ouais, ça doit être des gâteaux. C'est bon. Ah non, c'est pas des gâteaux. C'est le bilboquet. Regardez-moi ça. Un bilboquet. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est marrant. Un bilboquet. Bon, c'est original. C'est petit, c'est original. Pour un gosse aussi, pour un gamin. Ça peut être rigolo. À voir. C'est un objet finalement pop. Hein. Chrome. C'est Chrome qui a fait ça. Enfin, je me renseigne. En tout cas, c'est neuf. Et c'est très sympa. C'est cool. Maintenant, ah, j'ai un mot. J'avais pas vu. Coucou Fox Arnold. Félicitations à toi pour cette victoire à notre concours Candibule numéro 10. On espère que ce lot remporté te plaira et que tu en feras bon usage. Bonne chance à toi pour nos futurs concours Candibule. À bientôt, amitié YouTubeur de YouTubeur Candibule. Regardez. Alors, leur mascotte de chaîne, c'est Toad. Vous ne pouvez pas les manquer. C'est le petit Toad qui illustre leur chaîne. Non, c'est super sympa. Regardez, j'ai des sucettes. Désolé pour le bruit. Lollipops. Ah, cool. Pokémon Advanced Battle. Nouvelles aventures inédites de la saison 8. 5 DVD et 3 DVD pour ce coffret.
Bon, écoute, je sais pas ce que j'en ferai, mais bah écoute, c'est quand même assez cool. C'est du Pokémon, donc on va pas dire non. D'ailleurs, en parlant de Pokémon, regardez, j'ai aussi des cartes. Alors, chaque gagnant, enfin, chaque lot, il y a toujours des cartes quoi, à gagner dans les lots proposés. C'est une constante, et c'est justement grâce à ce genre de cartes qu'ils font les concours. Ils étalent comme ça les noms des participants. Donc, chaque participant a son nom marqué au dos. Donc, quand hop, il soulève la carte, ben, la personne en l'occurrence est éliminée. Et c'est le dernier de la série, donc il peut y avoir 100, 150 cartes qui gagnent les lots proposés. Et de temps en temps, enfin, c'est pas de temps en temps, il pose aussi certains amiibos sur des cartes qui protègent la carte pendant un moment. Et puis, ils peuvent décider justement que c'est une carte gagnante grâce à un amiibo. Enfin, bon, je vous laisse découvrir ça. Donc là, il y a 50 cartes. Moi, j'y connais pas grand chose en cartes Pokémon. Je crois qu'il y a des brillantes. En tout cas, il n'y a pas de carte énergie. Hein. Donc, ma foi. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un petit bloc-notes. Ça, c'est très pratique. Oh, avec un petit crayon de papier. Ouais, comme il y avait dans les bloc-notes chantier, là. Ouais, je connais ça. C'est toujours pratique. Donc, petit post-it, petit carnet pour ça. C'est toujours utile. Ça, voilà. Voilà. Pour marquer les vides-greniers ou les rendez-vous. Encore un DVD, c'est Indians Runner. Je me souvenais pas qu'il y avait ça dans le lot. Et un jeu, ça je m'en souviens, le Sonic Mega Collection. Tac, bien complet, super. Oh bah écoute, je suis ravi. Il y a tous les épisodes de Sonic hein, quand même qui sont présents dans cette compilation. Et Sonic sur Mega Drive, Sonic Spinball aussi. Ouais, tous les opus Mega Drive. Pour terminer, on a du Toblerone et Oreo. Ah, des biscuits. J'ai trop faim, je crois que je vais en manger un tout de suite après le tournage de cette vidéo là. Ça me fait trop envie. Voilà pour ce concours remporté. Il n'y a plus rien dans le carton. C'est quand même incroyable hein, de se faire livrer comme ça. Donc merci à la chance, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui participent et qui auraient bien voulu gagner, mais c'est tombé sur moi, c'est comme ça. Hop, on va étaler tout ça, un peu façon Candibule, ce qu'il nous propose pour chaque concours, la présentation, ça commence par la présentation, donc ils étalent tout comme ça, consciencieusement et dans un très bon esprit, c'est fun. Pas de prise de tête, c'est convivial, une ambiance simple, décontractée, pas beaucoup de montage, mais ce qu'il faut pour qu'on passe un bon moment sur leur chaîne. On aime participer et on aime leur sourire et leur bonne humeur, on en a bien besoin. Voilà pour le plan final de ce colis cadeau. Merci Candibule, merci beaucoup, je continuerai de participer, hein. Justement c'est ça qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de... C'est pas parce qu'on gagne une fois qu'on n'a plus le droit de participer, au contraire, on peut toujours participer, tenter sa chance, et on peut même gagner une console neuve, je ne vous en dis pas plus, mais il y a une petite chance pour qu'un jour on puisse gagner une console, donc bon, ils sont très sympas, et ça fait plaisir de voir ce genre de chaîne. Pour le coup, je trouve ça assez original et très sympa, décontracté. Allez, merci, merci Candibule, merci à tous. C'était la petite vidéo du week-end. Ciao. Merci.